On est de retour à Orzbli en Slovaquie, là, le pays qui a vu naître Adriana Karembeu, comme nous le faisait dire notre cher Mesut Ben Terki. Là, c'est Sarah Andersson, la Suédoise, qui va s'élancer pour cet individuel de 15 km. On le rappelle, 4 tirs, un tir couché, un tir debout, un autre tir couché, un autre tir debout. Chaque erreur, c'est une minute de pénalité ajoutée à votre chrono. Pendant la petite page de réclame, eh bien, Lydia Hernickel, la Suissesse, et Anna Orenthaler, l'Italienne, se sont élancées. Il faudra les surveiller. Voilà. On va vous en parler tout au long de la course. Il y a pas mal de biathlètes aujourd'hui qui peuvent eh bien, venir briguer une médaille. On a stabiloté un petit peu partout sur la startlist, mon cher Fred. Je vous rejoins complètement à la Tanguy. Quand on regarde la startlist, il y a un petit peu du stabilo de partout et ça va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Il y a 103 filles au départ et on a stabiloté quasiment jusqu'à la fin. Donc il va falloir rester aux aguets. Pour le moment, au 1,2 km, bah, c'est Stina Nilsson hein, qui est toujours en tête avec 3 secondes sur sa coéquipière. Heidenberg, Anna Karin. Là, c'est Hernickel qui passe en deuxième position, 5 dixièmes derrière Stina Nilsson. On l'avait vu très rapide hein, cette saison, Lydia Hernickel. Donc, c'est pas étonnant de l'avoir au rendez-vous aux côtés, en tout cas de Stina Nilsson, la spécialiste du fond. On le rappelle, hein, Stina Nilsson, ancienne championne olympique de sprint en ski de fond. Donc, forcément, sur les skis, ça défile. Dossard 17, vous l'avez signalé Fred tout à l'heure, Alina Stremus, la Moldave, qui s'élance avec cette combinaison arc-en-ciel, magnifique, c'est original, mais c'est joli. Elle est capable de nous sortir une énorme course. Hein. Aujourd'hui, là, Stremus, la Moldave, de l'expérience, elle en a. L'année dernière, il n'y avait pas manqué grand-chose pour faire partie de la cérémonie des fleurs du côté de Lanzarote. Elle avait terminé 7e de l'individuel. Pour ça, il va falloir passer à 4 reprises sur ce pas de tir, comme Sanita Bulina. Et la pénalité, elle coûtera 1 minute par balle manquée. Et vous l'avez vu, on est passé de 8 à 9 avec cette erreur, de 9 à 10 avec cette deuxième erreur. Voilà les tonnes. Sanita Bulina, 2 minutes de pénalité ajoutée à son chrono. Sanita Bulina, lettonne, comme Andrei Rastorguiev, hein, que l'on voit sur ces championnats d'Europe. Il est bien présent sur ce site de Bresno-Orzbli pour venir briguer une nouvelle médaille. Et vous me faites signe, Fred, parce que Stina Nilsson est en train d'arriver sur le pas de tir, déjà. Ah, elle est déjà là, la Suédoise. Alors, je ne vais pas manquer de respect pour Nedzda Kubiniciek, Lana, la Polonaise, qui est en train de tirer et qui est en train de plutôt bien tirer. Mais on est sur des athlètes qui ne sont pas dans le même calibre que la Suédoise. En tout cas, la Polonaise, elle s'en sort plus que bien derrière la carabine. Eh bien, Stina Nilsson également va s'en sortir très très bien avec ce 5 sur 5. Elle va évidemment prendre les commandes de cette course après le premier tir, ce tir parfait. Pas de minutes supplémentaires ajoutées à son chrono. Elle va ressortir avec de l'avance par rapport à la Polonaise. Près de 45 secondes. Alors on voit qu'on est quand même sur la deuxième partie de saison. Je la trouve très très affûtée là, la Suédoise. On a vu qu'elle avait des petits boîtiers sur les mollets. C'est certainement qu'elle utilise aujourd'hui des chaussettes chauffantes avec des petites batteries qui réchauffent. On avait déjà vu une Suédoise en début de saison sur la Coupe du Monde. Anna Öberg utilisait ce style de chaussettes. Peut-être qu'elle craint le froid, Stina Nilsson. En tout cas, c'est elle hein, pour le moment qui est en tête avec 46 secondes sur la Polonaise. Dossard 2. Pas aux hauteurs d'un grand début de saison, Stina Nilsson. Hein, son meilleur résultat, c'est une 12e place. Du côté de Ridana, sur le format sprint, Anna Karin Heidenberg, elle qui est 12e du général de l'IBU Cup, a démarré son individuel avec 2 erreurs. C'est clairement pas le meilleur départ pour la Suédoise.
Martinen. Une erreur. On rappelle, hein, Annel Bondou va partir, va s'élancer sur cet individuel d'ici quelques instants. Dossard 32 pour la première française à venir défier cette piste slovaque. Natalia Kocherjina, la lituanienne, née en 85. Quand certaines sont nées en 2005, ça vous montre toute l'étendue et tout le panel de ces biathlètes. Discipline au sein de laquelle on peut durer finalement. Bah exactement, surtout que on peut le rappeler Tanguy, cette semaine il y aura un énorme retour du côté d'Orsbly, puisque Nastasia Kuzmina avait décidé il y a quelques mois de sortir de sa retraite sportive pour s'aligner sur ses championnats d'Europe à domicile. La Slovaque va tout simplement renfiler le dossard sur ses championnats d'Europe. Et c'est... Alors est-ce que c'est un énorme coup de pub ou de la part de la Slovaquie pour promouvoir ce stade? En tout cas, elle a fait le boulot. Hein. Kuzmina, je la suivais un petit peu sur les réseaux sociaux. Des séances de spécifiques, je vous garantis qu'elle en a fait. Et elle a vraiment bien préparé l'événement. Donc hâte, elle sera pas là sur l'individuel, mais hâte en tout cas de la voir évoluer sur les courses de la deuxième partie de la semaine. On rappelle un petit peu son pédigré, hein, Anastasia Kuzmina, c'est une Slovaque, donc c'est déjà elle est à domicile, et triple médaillée olympique 2010, 2014, 2018. Elle a pris sa retraite à l'automne 2019. Donc voilà, c'est un retour attendu, on va la suivre évidemment avec de gros yeux. On a hâte de voir ce qu'elle a sous le capot pour nous proposer le meilleur spectacle possible à Anastasia Kuzmina. Vous l'avez bien dit Fred, qu'on ne reverra pas sur cet individuel, elle est préservée. En tout cas, ça met un bon coup de projecteur sur ces championnats d'Europe en Slovaquie. Et comme je sais que vous aimez bien les anecdotes Tanguy, je vous avais préparé une petite là pour cette ouverture de championnat d'Europe avec les filles. Bah, figurez-vous que Nastasia Kuzmina, elle avait pendant plusieurs saisons un défarteur qui était tout simplement français. Donc aujourd'hui, on a un de ces farteurs à qui je passe un coucou, qui tient un magasin de vélo dans le Doubs, à Chapelle des Bois, un magasin de sport, et son cousin, Baptiste Blondeau, qui est tout simplement farteur de l'équipe de France aujourd'hui, qu'on a pu voir la semaine dernière du côté d'Antols, qui farte, qui prépare le matériel de l'équipe de France au niveau de la Coupe du Monde. Et bah, ces deux-là étaient farteurs de Kuzmina pendant plusieurs saisons et qui lui ont permis justement d'aller chercher de nombreuses médailles sur les Jeux Olympiques. Alors, je vous ai dit triple médaillée olympique, c'est triple médaillée d'or évidemment. Hein. Deux fois en sprint, où elle avait conservé son titre entre Vancouver et Sochi, 2010-2014, et puis à Pyeongchang en Corée du Sud en 2018, elle avait pris la médaille d'or olympique en mass start, une des plus belles disciplines que le biathlon peut nous offrir. Oh, attention, là on voit passer Stéphanie Scherer, l'Allemande. Attention, on contrôle radar, là, faut pas passer trop vite. À la Gowling, la Canadienne, elle a un tour de plus hein, que l'Allemande. Sarah Anderson pour son premier tir couché. Annelina Stremus qui elle est passée au premier intermédiaire avec un petit dixième d'avance sur Stina Nilsson. Elle a toujours pas effectué son premier tir, elle devrait pas tarder. Et puis c'est Annaëlle Bondou, notre fusée française, qui va elle s'élancer sur cet individuel des championnats d'Europe du côté d'Orsbly. Allez, le regard concentré, faire aussi bien que du côté de Souchon, où elle avait pris la première place sur la poursuite, une épreuve à 4 tirs, c'est ce qui est au programme aujourd'hui pour Annaëlle Bondou. Pocket Rocket s'élance à l'assaut de cet individuel au championnat d'Europe d'Orsbly. Alors, en tout cas, elle est partie, c'est solide hein, son départ. Se mettre dans sa course tout de suite. On est sur un individuel, on a des allures un petit peu moins élevées que ce qu'on peut rencontrer sur un sprint ou une poursuite. On est souvent, pour les connaisseurs et les gens qui nous suivent, on est sur une allure qui ressemble un petit peu au seuil. Donc il faut faire attention de ne pas trop s'endormir non plus, toujours rester éveillé. On est vraiment sur le fil du rasoir. On le rappelle, les filles auront à parcourir 15 km, 5 boucles de 3 km.
qu'il faut arriver à lisser son effort, bien gérer son effort pour essayer d'être lucide derrière la carabine et aller vite derrière la, sur les skis, pardon. Anakrimonos, il va falloir suivre évidemment. L'Ukrainienne. L'Ukrainienne qui va elle se présenter au premier intermédiaire. On aperçoit derrière une autre Anna. Alors pas Anna Krivonos, mais juste derrière l'Italienne, Anna Orenthaler, qui a fauté une fois sur son premier tir couché, l'Italienne. Pour l'instant, c'est solide ce que propose Anna Krivonos. Toujours Strémousse, hein, le temps de référence à cet intermédiaire-là. Anna Krivonos, cinquième hein, de la Mastart d'Oridana. C'était lors de la dernière étape de l'IBU Cup en Italie. Et évidemment à la maison, Emma Kapustova, la Slovaque qui vient de partir. On a un œil dessus, Johanna Skotheim, la Suédoise s'était lancée deux dossards après Anaël. On suivra ensuite Sarah Scatolo, puis Chloé Levins, l'américaine. Et derrière, ce sera Océane Michelon, peut-être notre meilleure chance aujourd'hui côté français. Qui a connu la Coupe du Monde, elle a eu les honneurs de monter à l'étage supérieur. Et aujourd'hui, c'est peut-être une médaille qui l'attend, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Océane Michelon. Défense, Tim Hamilton est déjà là. Son deuxième tir, lui debout. Aïe, aïe, il y a deux erreurs pour Steven Nilsson, c'est compliqué. Pendant ce temps-là, Remenova, elle, a fait le sans faute sur le coucher, d'où les applaudissements garnis du public présent ici sur ce site d'Orsbly. Stina Nilsson, deux pénalités sur ce debout, elle les a un petit peu volées. Hein. Je me demande même si elle a vu que la dernière balle, elle avait raté. Elle a vraiment, c'est une grosse erreur, hein, cette dernière balle. Là, elle a arraché la détente et elle a mis la carabine dans le dos au même moment où qu'elle tirait. Ça, c'est une erreur qui vous plaît pas du tout, ça, Fred. Oh, j'avoue qu'en tant qu'ancien coach, elle va se faire tirer les oreilles, Stina Nilsson, par son entraîneur de tir après la course. Vraiment, c'est un discours qu'on peut entendre hein, dans les comités, dans les clubs. Au niveau français, en tout cas, il faut accompagner ses balles dans la cible. Regardez la palette basculer avant de recharger et de se déplacer sur la cible d'à côté. C'est toujours une petite sécurité en plus, même en étant à l'attaque ou agressif derrière la carabine. On peut quand même encore continuer à travailler les fondamentaux et les bases de ce tir pour aller blanchir les cibles. Déjà trois erreurs pour Anna-Karin Heidenberg. Ce sera compliqué de jouer devant aujourd'hui pour elle. Sur un des plans précédents, on a vu notamment Johanna Skotheim, autre Suédoise, avec dans son sillage eh bien, Alina Strémousse, la Moldave. Alina Strémousse, justement, Tanguy, qui était ressortie à 10 secondes de Stina Nilsson à l'issue du premier tiers couché avec le sans faute. Et elle est déjà revenue au 4,2 km, elle est déjà revenue à 2 secondes. Donc elle a repris 8 secondes à Stina Nilsson en 1,2 km de ski. Donc la Moldave, aujourd'hui, ça a l'air de plutôt bien se passer. En plus de bien se passer derrière la carabine, bah, ça se passe bien pour elle sur les skis. Béatrice Trabouki, le sans faute. L'une des deux sœurs, Trabouki. On connaît Martina, qui a déjà brillé cette saison. Du côté de Martel à la maison. Sixième de l'individuel court. Beau sans faute là pour Heidi Koutinen, la Finlandaise. Alors ça va pas... El Bondou va pas trop tarder à arriver, hein, me semble-t-il. Ah,
Dossard 27. Et là, Alvarsson qui arrive au niveau du stade. Anaël Bondou, c'est le Dossard 32. Pour l'instant, au pointage du 1,2 km, elle est dans le même temps qu'Alina Stremous. Les conditions de ski, en tout cas, Tanguy, ont l'air très très bonnes. Hein. Le fond de la piste a l'air d'être dur. On voit les arbres tout blancs. Il a neigé la nuit dernière du côté d'Orsbly. Il y a eu un gros travail de fait sur la piste pour proposer de super conditions, en tout cas pour les filles, sur cet individuel. On aime écouter ce bruit de neige là à chaque cadence, en l'occurrence de l'Ukrainienne Lyubov Pyatchenkova. Océane Michelon là, qui vient de passer au premier intermédiaire, donc avec son dossard 39, la Française, 8e à 4 petites secondes de Stremous Anaël Bondou, le duo qui tient les commandes à ce premier intermédiaire là. Donc Océane est partie dans le coup aussi, la Française. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça va permettre aux techniciens qui sont présents sur ces championnats d'Europe de se rendre compte que les skis ont l'air de plutôt bien fonctionner, en tout cas pour l'équipe de France. Derrière, ça va enchaîner un Noémie Romonet avec le Dossard 43. Donc pour Noémie, ça pourrait permettre aux techniciens de faire des modifs pour une Camille Benet, par exemple, avec le Dossard 76. Mais là, quand vous avez trois Françaises qui se suivent, 32, 39 et 43... Là pour Noémie, c'était pas possible, mais par contre, en tout cas, ça donne une idée. Donc là, les deux Françaises sont parties dans le bon tempo, dans l'allure, et ça prouve que le matériel fonctionne très bien. Sarah Anderson là, qui a pris son temps là, pour s'ajuster. Peut-être perdu quelques secondes. Et 2 minutes au total pour l'instant de perdu pour Sarah Anderson. Anaël Bondou dans la petite lucarne là, qui est sur son premier tir de la journée, le tir couché. Ouais, ça tire très très bien pour Anaël. Eh bien, ça fait plaisir de voir du blanc s'allumer quand Anaël est derrière la carabine. Elle va ressortir aux côtés de Stina Nilsson et d'Alina Stremous. C'est tout bon pour la Française. Ah, ça, c'est plus que bon. Ça, ça va la mettre en confiance. Elle a l'air en tout cas déterminée, hein, dans son regard. Elle a fait le choix de ne pas mettre de lunettes de soleil aujourd'hui. Notre fusée française. Ah, derrière, elle est en train de lui faire mal, au Dossard 31. Elena Chirkova, la Roumaine, qui tentait de s'accrocher. Difficilement, on l'a vu. Et Johanna Skotheim qui va se présenter sur son premier tir. Et en même temps, Noémie Romonet qui passe au premier intermédiaire, 5e à 1 seconde. Donc ça nous confirme un très bon début de course de la part des Françaises. Donc on va saluer les techniciens qui ont dû certainement faire un boulot de fou. Parce que pour le moment, les trois Françaises se tiennent dans les 9 meilleurs temps à ce premier intermédiaire-là. Donc tout va bien. Tout va bien, mais pour Skotheim, un petit peu moins bien là, avec ces 2 minutes erreurs, de pénalité. Deux erreurs. J'attendais que vous finissiez pour reprendre, effectivement. C'est plus compliqué pour la Suédoise. Tant mieux, ça ouvre des portes pour l'équipe de France. On va pas bouder notre plaisir. Si on peut avoir des bleus au féminin sur la boîte à l'arrivée, on en sera les plus contents. De Sarkin, de Maria Dratkova, et juste derrière Kaya Zork, la Slovène. Et attention à Idalienne, Dossard 53, la Norvégienne. De toute façon, quand on tamponne le passeport norvégien, c'est que il y a sans doute un gros résultat à l'arrivée. En IBU Cup, on l'a vu régulièrement cette saison, que ce soit du côté des filles ou des garçons. Et Idalienne, vous en parliez, Fred, pour ceux qui suivent la saison en IBU Cup, elle fait partie des candidates à avoir envie d'aller à l'étage supérieur.
Bah, on l'a vu à son avantage sur une partie des IBU Cup de janvier du côté de Ridana. Derrière, ça lui avait permis de monter du côté d'Antols, où elle avait été excellente, puisqu'elle avait réussi à aller chercher un top 10, tout simplement. Donc là, elle est redescendue sur ces championnats d'Europe, à l'image de ses collègues, hein, Kerkaide, Johansen, Jenny Enod, pour tout simplement, vous l'avez dit Tanguy en avant-course, affiner. La sélection norvégienne sera affinée sur ces championnats d'Europe. Et il y a une place à prendre, tout simplement, pour les mondiaux de Nové Mesto. Donc, une belle carotte. Ça fait une très très belle carotte. Et parce qu'on le sait, hein, aujourd'hui, quand vous avez un passeport norvégien, il est compliqué à avoir celui-là, j'ai l'impression. Ou alors, il faut aller vite à ski pour en avoir un. Et les places sont chères et voilà, elles seront toutes là, les Norvégiennes, sur des sets individuels pour essayer d'aller chercher la place qui a encore à prendre. Et Océane Michelon qui s'installe là sur son tir couché. Et oui, juste après Stina Nilsson qui s'est encore manqué. Ça peut faire les affaires de l'équipe de France. On va suivre évidemment le tir d'Océane Michelon au premier plan. Pour la française pour le moment. Ouais, parfait, ça c'est bon, parfait, le 5 sur 5, tout comme Anaël Bondou. Début de course rêvé, idyllique pour le camp tricolore. Ça c'est parfait. Hein. Ouais, un tir moins engagé, un tir beaucoup plus posé. Pas très rapide, mais elle s'en sort quand même avec le plein et ça lui permet de ressortir 6e à 20 secondes. Et pendant qu'on est dans les bonnes nouvelles, Tanguy, Anaël Bondou qui était sortie 2e de ce tir couché à 8 secondes de Stina Nilsson, et elle vient de passer à l'intermédiaire du 4,2 km pendant qu'Océane tire et couché. Figurez-vous qu'elle est en tête avec 5 secondes d'avance sur Stina Nilsson. Ah oui. Donc elle a tout simplement repris 13 secondes à la Suédoise en ski. Donc ça y est, la fusée est lancée pour Anaël Bondou. Et je me demande si la piste n'est pas en train d'accélérer avec de l'humidité qui est en train certainement de ressortir. Et peut-être qu'on va avoir droit à une piste qui va lustrer au fil de la course. Et ça pourrait faire le bonheur en tout cas de nos Françaises qui ont l'air déjà en forme sur les skis. Mais pourquoi pas le bonheur d'une Camille Bénet qui s'élancera avec le Dossard 76. Oberthaler, ça se passe bien pour l'Autrichienne. 5 sur 5. Binet, vous l'avez signalé, elle partira dans moins de 10 minutes pour l'équipe de France. Ce sera la dernière à s'élancer côté tricolore. Elles sont 103 sur la liste de départ aujourd'hui à venir briguer une médaille sur ces championnats d'Europe du côté d'Orsbly en Slovaquie. L'équipe de France qui a mis 15 heures pour rejoindre ce site à l'est de Bratislava. On est à 250 km de la capitale, en plein centre de la Slovaquie. C'est jamais simple pour se rendre sur ce site-là. Et voilà, ça peut créer de beaux souvenirs si les Françaises et les Français parviennent à ramener des petites breloques. La Béatrice Trabouki qu'on n'a pas vu tirer mais qui vient de réaliser le 10 sur 10 est ressortie 3e à 42 secondes de Stremus qui elle aussi est à 10 sur 10. On vous en avait parlé en début de course, la Moldave l'année dernière elle avait été à son aise en tout cas sur cet individuel. Là pour le moment elle est très bien partie avec le 10 sur 10, elle tient les rênes de cet individuel avec 28 secondes d'avance sur Scherer l'allemande. Et on voit au premier plan les Fagnons qui ne bougent pas, au deuxième un petit peu plus. Faut s'adapter. Denis Romoulet hein, qui devrait pas tarder à arriver pour son tir. Idaliane hein, qui est parti très très vite aussi, qui vient de prendre le lead hein, au premier intermédiaire avec 6 secondes d'avance sur Anaël qui est 3e. Stina Nilsson à l'écran là qui a déjà 4 pénalités. Au bout de 3 tirs, très rapide sur les skis, mais pas assez précise derrière la carabine aujourd'hui, la Suédoise. Là, au fond, là, on voit qu'il va s'installer avec le Dossard 12
Anna Orenthaler, l'italienne, championne du monde de relais l'année dernière avec l'équipe d'Italie du côté d'Oberhof. Plus discrète cette saison. C'est aujourd'hui l'occasion de reprendre un peu de lumière. Là, c'est la Slovaque Zuzana Remenova que l'on suit forcément. La réalisation s'intéresse. Celle qui évolue à domicile. Pas Laurent Vouloir. Anna Krimonos, l'Ukrainienne, ça sera un 9 sur 10. Ah, j'ai guetté le cardiofréquencemètre. Hein. Elle a fini son tir à 166 pulses. Donc pour vous dire hein, que les biathlètes, quand ils arrivent sur le pas de tir, ils sont à bloc. Et Anaël Bondou est sur le pas de tir, voilà. Merci à la réalisation de nous la proposer. Marine Karkaï 2 à l'image également qui est là. Elle limite la casse. Elle limite la casse, tout à fait, Anaël Bondou. Avec une petite erreur, on le rappelle, une erreur égale une minute. Ajoutée à votre chrono, on ne passe pas par l'anneau de pénalité, contrairement au sprint, à la poursuite ou à la mass start. C'est un format un petit peu particulier. Sarah Andersson, la Suédoise, avec le 13 sur 15 qui vient de prendre la tête à la sortie du troisième tir. Anna Orenthaler, qu'on avait vu à l'écran juste avant avec son dossard 12. Elle est troisième avec pareil 13 sur 15 à 42 secondes. Pour moi, on n'a personne à 15 sur 15 sur les 13 filles qui sont sorties. Marthe Johansen à l'image. Plein centre, pas de problème. Plein centre également. Ça tire bien. Hein. Ça tire très très bien pour Marthe Johansen. Et ça va ressortir un petit peu derrière la concurrence, mais l'essentiel a été fait. Ne pas partir à la faute et ajouter une minute à son chrono. Attention à Alina Stremoussin, la Moldave, là, à 13 sur 13. Alors, on va pas lui porter la poisse, hein. Il faut faire le boulot jusqu'au bout. Elle est en difficulté, elle se reprend, ça c'est très intelligent de sa part. Ouais, ça paye. Pour l'instant, c'est une Moldave qui est en train de faire la bonne affaire du jour avec ce 15 sur 15. Ça se passe très bien pour Alina Stremous. On va voir à quel niveau elle ressort. Eh bien, évidemment, en tête et assez largement, 1 minute 47 d'avance par rapport à Sarah Andersson qui a tourné à deux reprises. Tina Nilsson est repoussée à 3 minutes 25. Je vais vous dire la performance de cette biathlète moldave que l'on a l'habitude de voir en Coupe du Monde. Et Lydia Hernickel, dont on vantait les mérites tout à l'heure, avec 6 erreurs pour l'instant. Elle est tout simplement dernière après 14 biathlètes passés au troisième tir. Pour les Hamayer, des filles dont on n'a pas encore forcément parlé, Maka Pustova, hein, la Slovaque, qui est en train de faire parler la poudre. Là, on voit Stina Nilsson derrière qui repart comme une furie hein, du pas de tir, là, ça repart très très vite. Elle qui était déjà à 4 pénalités, et elle finit par un sans faute, ça sera un 16 sur 20 pour Stina Nilsson. Anaël Bondou. Yohansen Michelon est sur le pas de tir. La première est dedans, la deuxième est à côté malheureusement. Derrière ça fonctionne bien. Ce sera une erreur au total pour Yohansen Michelon.
On va évidemment suivre ce que vont faire nos Françaises Anaëlle Bondou, Océane Michelon, Noémie Romonet. Et ce sera à suivre évidemment dans quelques instants. Restez bien avec nous. On est de retour en Slovaquie du côté d'Orsbly et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour l'équipe de France. Anaëlle Bondou, Océane Michelon sont en embuscade malgré une erreur après deux tirs, tout comme Noémie Romonet hein, qui n'est pas forcément larguée au niveau des temps. C'est Alina Stremus, la Moldave, qui mène le bal devant Emma Kapustova et Amalainen, la Finlandaise. Voilà pour le top 3 à l'issue des deux premiers tirs. On va profiter de ce petit moment pour vous parler de la suite, ce qui va se passer hein, sur la chaîne L'Équipe aujourd'hui. On a du très lourd qui arrive avec l'équipe de choc présentée par France Piron. Il y aura un invité de marque hein, aujourd'hui. Ce sera Hugo Lloris qui sera là dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe de choc en compagnie de France Piron, puis derrière l'équipe de Greg. Et ce soir du foot avec la quart de finale pardon, de la Coupe d'Espagne avec l'Athletic Bilbao qui reçoit Barcelone. Un match qui s'annonce magnifique. Ce sera évidemment à débriefer dans l'équipe du soir d'Olivier Ménard. Anaëlle Bondou sur son deuxième tir couché. Allez, limiter la casse au maximum. Ouais, c'est bien. Allez, on va s'accrocher à cet espoir, ce doux espoir d'aller décrocher une médaille pour Anaëlle Bondou. Pour l'instant, elle est à 13 sur 15. Il n'y a rien de terminé pour elle. Elle est tellement rapide sur les skis qu'elle peut évidemment encore faire la différence. Elle ressort avec son 13 sur 15. Elle ressort quatrième à 1 minute 29 de la tête. Elle a Trabucchi, l'Italienne, 3 petites secondes devant qui a une pénalité de moins. Donc pour vous dire que ça se passe bien sur les skis pour Anaëlle, et il y en a une pour qui ça se passe très bien aussi, c'est Oren Thaler, l'Italienne qui vient de terminer son dernier tir avec 18 sur 20. C'est elle qui prend les commandes provisoirement bien sûr de cet individuel avec 10 secondes d'avance sur Sarah Andersson. Caroline Erdal, la Norvégienne avec son dossard 78, va elle se présenter au premier intermédiaire. Et qui dit dossard 78 dit que Camille Benet s'est déjà élancée et elle vient de passer 33e à 18 secondes de Idalienne qui avait le meilleur temps à cet intermédiaire-là. Et Stina Nilsson au finish, ça sera donc le premier temps de référence. Toutes les Françaises sont sur la piste. Stina Nilsson va établir le meilleur temps pour le moment. C'est la seule à avoir franchi la ligne d'arrivée. 44 minutes et 47 secondes. 4 erreurs aujourd'hui pour la Suédoise. Sans doute trop pour aller jouer devant et récupérer une médaille. Une qu'il va falloir suivre dans quelques instants, c'est Alina Stremus. Avant son dernier tir en place pour un éventuel 20 sur 20. Il y a clairement le titre là, au bout de la détente. Et elle le sait, hein, faut s'accrocher mentalement. Bah, c'est oh là fort. Là, elle s'est reprise au moins deux fois, mais derrière ça paye. Alina Stremus, un brillant 20 sur 20 aujourd'hui pour eh bien, faire briller la Moldavie du côté d'Orsbly. Un tir solide, elle s'est reprise à deux fois et finalement ça tombe dedans. Elle a déjà fait le coup sur le tir couché d'avant. On l'avait vu en difficulté à la quatrième balle, elle s'est reprise. J'insiste vraiment là-dessus hein, parce qu'on est sur des images que j'espère que beaucoup de jeunes biathlètes ou d'entraîneurs ou de parents regardent. Et c'est vraiment un tir d'école. Elle est en difficulté, elle s'est reprise. Elle ressort avec le 5 sur 5 et derrière ça va payer. Aujourd'hui, Alina Stremus, on le rappelle, l'année dernière, elle était 7e sur cet individuel des championnats d'Europe. Avec 20 sur 20, il va falloir aller la chercher. Et celle qui va peut-être la chercher, c'est, on l'a vu, Kapustova, 15 sur 15. Ça peut être elle, la menace. Anna-Karina Heidenberg en termine. Sera derrière sa compatriote à 40 secondes. Et Kapustova, elle ressort deuxième à 4 secondes hein, d'Alina Stremusin. Donc attention à ce dossard 36. On va guetter ça hein, jusqu'au bout. Et également l'Allemande Scherer, hein, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, pas beaucoup vu non plus, à l'image, qui est à 15 sur 15. Et qui peut venir évidemment jouer devant.
Alors on voit là en face d'Ossar 76, on voit Camille hein, qui va se présenter sur son premier tir. Ah, on a un niveau de dingue hein, sur cet individuel. Là, on a Anaël Bondou qui vient de passer au 10.2. En troisième position à 1 minute 21 de la tête. Strémus avec deux pénalités supplémentaires. En même temps, on a Kirkaïdeux qui passe à la mi-course avec le 10 sur 10. Deuxième à 11 secondes. On a Strémus qui est en train de tenir les rênes de cet individuel. Ah, c'est à l'image de la combinaison de Strémus aujourd'hui. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Et Océane Michelon, après le troisième tir, elle est quatrième, Océane Michelon. Attention, là, on a deux Françaises qui sont dans le coup, Anaël Bondou et Océane. Ils peuvent venir titiller la concurrence. Ah, elle a sorti le bon tir quand il fallait, là, Océane, la Française. Ah, ça va complètement la replacer, hein, tout de suite, avec ce sans faute. Et Noémie Romonet, hein, qui va se présenter dans quelques instants à son troisième tir. Il y a peut-être vraiment un coup à faire, une médaille à aller chercher pour l'équipe de France. Camille Benet est sur le stade, vous la percevez au fond, sur le coucher. On va vous commenter ça en radio. Pour l'instant, c'est 3 sur 3 pour Camille Benet. Le 4 sur 4, ça tire plutôt vite. Et le 5 sur 5 pour Camille Benet. Ça, c'est... Moi, j'aime bien quand vous parlez comme ça, Tanguy. Voilà, on va toucher du bois là dans la cabine pour encourager notre équipe de France. Voilà, Scherer, on la voit. On va aller peut-être faire le 20 sur 20. Bon. Ce sera quand même un très, très beau résultat aujourd'hui pour... l'Allemande. Et Camille, elle ressort 9e hein, pour information Tanguy. 9e à l'issue du premier tir à 20 secondes de la tête. Stéphanie Scherer qu'on a aperçue. 27 ans. Alina Strémus là, l'intermédiaire, toujours en tête avec 2 minutes 14 d'avance sur Anna Orenthaler, l'italienne qui elle est à 18 sur 20. Scherer, vous l'avez dit Tanguy, elle ressort deuxième à 1,25. Caroline Erdal là pour le tir couché. Donc, ça veut dire que Strémus n'a pas traîné hein, sur les skis, elle est rapide. Ouais, bien joué Caroline Erdal, c'est propre. Le boulot est fait. C'est Noémie Romonet hein. Qui va s'installer pour son troisième tir. Attention à Trabucchi aussi l'italienne hein, qui ressort avec 19 sur 20 là. Deuxième à 1 minute 21 de Strémus. Une erreur d'entrée pour Noémie Romonet. Ce sera finalement un 4 sur 5 pour Noémie Romonet après ce troisième tir. Anna Orenthaler pour le finish. Elle va prendre la tête l'italienne. C'est provisoire, ça va jouer à pas grand chose par rapport à Sarah Anderson, hein. 3 secondes 5, mais elle est devant l'italienne, Anna Orenthaler avec son 18 sur 20. C'est à la droite de l'écran, Dossard 12. On a l'impression que le brouillard est en train de gentiment s'inviter du côté de d'Orsbly. C'est sympa ça, tiens. Ah, c'est déjà arrivé ça, Tanguy, hein, qu'en plein milieu de la course, le brouillard s'invite et que la course soit stoppée pour des raisons climatiques. On l'a vu du côté d'Antols hein, en Coupe du Monde où le brouillard jouait un petit peu avec les nerfs des biathlètes en apparaissant puis en disparaissant. C'est même arrivé, Tanguy, en 98 à Nagano pour les Jeux Olympiques. Il y avait des conditions climatiques qui étaient vraiment exécrables et il restait plus grand monde sur la piste. Ole Einar Bjørndalen gagnait le sprint, était champion olympique. Ils ont arrêté la course, ils ont repoussé la course au lendemain et le lendemain, il est re-champion olympique.
Ça, c'est une histoire qui est restée en moi toute ma carrière de biathlète et toute ma carrière de coach, parce que bah, la force mentale de l'athlète, être capable le lendemain de remettre le couvert et de aller regagner un titre olympique, c'était juste monstrueux. Et là, pour le moment, j'ai l'impression que ça tient, en tout cas, au niveau de la météo. Bon exemple avec Ole Einar Bjørndalen, champion mythique de biathlon, champion norvégien. Et en parlant de la Norvège, hein, Kjerkaide, hein, qui ressort du troisième tir avec 15 sur 15. Elle est en tête avec 18 secondes d'avance sur Stremus. On en avait parlé en début de course de la Norvégienne Kjerkaide. Et Stremus, elle est là pour le finish, la dernière ligne droite. Elle est en train d'en terminer. L'arc-en-ciel moldave est en train de franchir les derniers mètres qui la séparent de la ligne d'arrivée. Elle va évidemment prendre la tête par rapport à Nauron Thaler avec près de 2 minutes 15 d'avance par rapport à l'italienne. Très belle course de la part de la Moldave Alina Stremus avec ce 20 sur 20. Pour l'instant, c'est la seule à y être parvenue et à avoir franchi la ligne d'arrivée. Il y a du beau monde, hein, avec le 15 sur 15, la Bulgare, Ristrova, à 29 secondes de la tête avec son dossard 47. On va avoir un œil sur elle, hein, sur son dernier tir. Elle peut aller chercher le 20 sur 20, et pourquoi pas s'inviter sur le podium. Vous avez aperçu trois biathlètes en premier plan sur le pas de tir, Idalienne, Kalkenberg et Johansen, trois norvégiennes. Ça ressemblait presque à une Mastart. Pour Kalkenberg avec le plein. Idalien aussi. Une erreur pour Johansen. Faire quasiment une course d'équipe là sur la piste pour les Norvégiennes. Se suivent. Ça devrait pas tarder, hein, d'avoir Océane Michelon sur ce dernier tir. Italienne, un deuxième à l'issue du troisième tir avec 14 sur 15 à 10 secondes de Kjerkaide. C'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies, hein, sur cette start list. On rappelle, hein, les biathlètes choisissent leur groupe. Et puis derrière, ça se passe sur un tirage au sort. Il y a pas mal de biathlètes qui ont décidé de partir dans les groupes 2 et 3. Comme c'est le cas de la Norvégienne Kalkenberg, hein, par exemple, qui partira dans le dernier groupe avec le dossard 86. Elle vient tout juste de sortir son tir couché avec le plein, deuxième à 5 secondes. Si la piste venait à accélérer, on en a parlé tout à l'heure parce que ça a lustré, donc ça va mater un petit peu la neige, ça va vous permettre de glisser un petit peu mieux. Par contre, attention, il faudra bien tenir les skis. Comme la Slovaque, là, on va lui souhaiter de bien tenir sa carabine. Elle peut aller chercher le 20 sur 20 encore, la Slovaque. Oh, c'est peut-être la course d'une vie pour Emma Kapustova, le 20 sur 20, magnifique, à la maison, la Slovaque qui fait parler la poudre et qui va batailler jusqu'à la ligne d'arrivée avec Stremus et toutes les Norvégiennes. Un chapeau, parce qu'à la maison... Elle ressort devant, 3 secondes devant Stremus. Kapustova époustouflante aujourd'hui. On va la suivre jusqu'au bout évidemment. La dossard 36. Ah, Océane. Allez Océane, il faut faire le boulot jusqu'au bout. Allez, faut s'accrocher derrière cette carabine, il y a peut-être une médaille à la clé. Allez, ça c'est intelligent, elle se reprend, il faut toujours se reprendre. Aïe, la dernière qui nous fait mal au cœur, qui nous transperce le cœur là, cette balle manquée de la part d'Océane Michelon. Ce sera un 18 sur 20 aujourd'hui, pendant que Stéphanie Scherer en termine pour l'Allemagne et assez loin finalement de Stremus, à plus d'une minute 30. Océane Michelon avec son 18 sur 20 qui ressort en 6e position.
à 1 minute 37. Le podium pour l'instant est à 1 minute 24 avec Trabouki. Mais on l'a dit, il y a du monde qui arrive derrière. Avec notamment Maren Kerkaide, la future star annoncée comme telle de la sélection norvégienne. Ah, c'est dommage cette dernière balle pour Océane. Après, elle a pas de regret. Elle a fait le boulot. Elle était en difficulté. Elle s'est reprise. Malheureusement, elle ne sera pas dedans. C'est dommage. 18 sur 20 pour la française. Camille Benet va arriver sur le stade pour son deuxième tir. Elle est 12e provisoire à 43 secondes de Stina Nielsen qui était en tête à ce moment-là. Elle l'a perdu depuis. Attention à l'allemande, hein, Wiesenzarter, là, Marion, avec son 275 qui vient de ressortir du deuxième tir avec 10 sur 10, quatrième à 17 secondes de la tête. Il y en a deux partout, Tanguy. Il faut avoir les yeux partout. Mon écran est trop petit. Ça peut vraiment rentrer dans tous les sens. Hein. Au niveau des dossards, va falloir être attentif. Et Camille Benet a fait le plein sur le deuxième tir. Donc elle est à 10 sur 10. Elle va ressortir sixième, Camille Benet, à 28 secondes d'Alina Stremus. Ce n'est pas terminé pour l'équipe de France. Il y a encore des choses à gagner, des choses à jouer aujourd'hui. Ah, c'est un format de course qui peut réussir à Camille, en tout cas l'individuel. On la sait moins à l'aise sur les skis depuis quelques semaines. C'est normal, elle revient de blessure. Donc elle est montée en puissance au fil des IBU Cup du mois de janvier. Elle a l'air dans une journée plutôt correcte aujourd'hui du côté d'Orsbly. On sait qu'elle a le niveau d'aller chercher le 20 sur 20. En tout cas, pour le moment, à la mi-course, elle pointe à la 6e place, à 28 secondes de la tête. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Maka Pouchtova, la Slovaque, qui pour le moment, ça a l'air de tenir. Alors, elle n'est pas encore à l'intermédiaire. À l'intermédiaire, vous le voyez, elle est là-bas au bout, sur la gauche. Est-ce que ça va tenir pour la Slovaque par rapport à Stremus? Non. Stremus a recreusé les écarts dans ce dernier tour. Elle bascule, la Slovaque, à 6 secondes derrière la Moldave. Et Anaëlle Bondou pour franchir la ligne d'arrivée. Il n'y aura pas de médaille aujourd'hui pour Anaëlle avec son 16 sur 20. 4 erreurs qui coûtent cher pour la fusée de l'équipe de France. Et aujourd'hui, ça a bien tiré devant, donc forcément, si on met les balles dehors, c'est plus compliqué de venir batailler pour les médailles. Et quand vous dites fusée, Tanguy, je vous le confirme, un deuxième temps de ski provisoire pour Anaëlle Bondou à 11 petites secondes de Stina Nielsen, qu'on avait vu plus qu'à son avantage hein, sur la piste. Et Stina Nielsen, elle a fait 16 sur 20 comme Anaëlle Bondou et elle est juste devant sur la ligne d'arrivée. Et juste devant Krivonos Anna, qu'on vient de voir franchir la ligne d'arrivée avec son dossard 29. Avec 18 sur 20, l'Ukrainienne, elle est à 3 minutes 08 de Stremus qui est toujours en tête de cet individuel. Et au fond, vous l'apercevez, Marine Kerkaide qui est bien là, aux côtés de la Bulgare. Ristova. Alors on va pas se mentir, Tanguy, là il y a le titre au bout. Hein. Si elle réussit sans faute. Oh, la médaille sera forcément autour du cou de Maren Kerkaide. Reste à savoir la couleur. Mais l'or devrait bien lui aller à Maren Kerkaide, celle qu'on présente comme la future star du biathlon norvégien. Et qui vise évidemment une place au championnat du monde avec la sélection norvégienne. La meilleure d'entre elles ira au championnat du monde. Et avec ce 20 sur 20 lors de cet individuel, elle a marqué de sérieux points. C'est une évidence. Une évidence, mais attention, hein, Tanguy. À l'image du circuit IBU Cup, une Norvégienne peut en cacher une autre. Et des fois, ça peut même en cacher deux autres. Jenny Enod, qui vient avec son dossard 82, vient de sortir du deuxième tir avec le 10 sur 10 en 8e position. Et aussi, attention à Emily Kalkenberg avec le dossard 86, qui pour le moment, on n'a pas encore tiré son deuxième tir, donc son tir debout. Mais elle est toujours... je joue devant puisqu'elle est quatrième à 8 secondes de la tête de course. Donc attention, il y a encore deux Norvégiennes hein, qui peuvent jouer.
Mais il y en a de, partout. Aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment, toutes les biathlètes sont parties un petit peu partout dans chaque groupe. Et là, c'est Idalienne qui peut, si elle tire bien, faire un gros coup. Idalienne avec 19 sur 20, il y en aura déjà une. Ah, c'est le métal qui est peut-être en train de changer de couleur là. Kalkenberg qui est en train de passer à côté de son debout, qui a déjà raté les deux premières. Eh bien ce sera deux erreurs pour Idalienne, malheureusement pour elle. La médaille qui est en train de s'envoler. On va suivre toute cette fin de course avec beaucoup de suspense dans quelques instants. A tout de suite. Pour Orsbly en Slovaquie, vous l'avez vu juste avant la pub, Emma Kapustova a réalisé le 20 sur 20 et a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position. Derrière, pour l'instant, celle qui mène le bal, Alina Stremus, une Moldave qu'on a l'habitude de voir en Coupe du Monde. Là, elle est, on va dire, un descendu d'un étage, parce que c'est la plupart de ses filles évoluent en IBU Cup et elle joue la médaille d'or, mais la réalisation ne se trompe pas. Maren Kerkhaide a encore de l'énergie à revendre et peut aller chercher l'or aujourd'hui, la Norvégienne. Ah, en tout cas, avec son 20 sur 20, il va falloir aller la chercher, la Norvégienne. Sur les skis, ça se passe relativement très très bien, en plus d'avoir bien tiré pour la Norvégienne. Au dernier intermédiaire, elle avait 38 secondes d'avance sur Stremus, 44 sur Kapustova. Ah, ça commence à sentir bon pour la Norvégienne, mais attention, derrière, il va falloir... surveiller une Camille Bénet, notre française avec le dossard 76. Bien sûr, on va la suivre jusqu'au bout. Puisque à l'instant, au moment où je vous parle, elle sort du pas de tir, du troisième tir avec le 15 sur 15. Oh là là. 7ème à 57 secondes. Donc il va falloir la guetter. Et là on suit cette fin de course de Maren Kerkhaide qui va pousser jusqu'au bout pour enfoncer le clou. Maren Kerkhaide, le 20 sur 20, 46 secondes et demie d'avance par rapport à Alina Stremus. Elle a fait une course énorme et vous le voyez, hein, les tirs parfaits qui payent aujourd'hui puisque Stremus, Kapustova et Kerkhaide à l'instant sont aux trois premières positions. Alors ce ne sont évidemment pas les seuls pour l'instant à avoir... réalisé le plein, il y a également l'américaine Chloé Levins qui est 18e à l'arrivée. Évidemment, ce n'était pas une menace réelle pour celle qui joue devant. Et Ristova hein, qui discute avec Maren Kerkhaide à l'arrivée. Les deux se sont bien battus tout au long de la course. Dossard 46 et 47 il me semble. Dossard 47 pour Ristova, 48 pardon pour Kerkhaide. Il y en a une qui va jouer là, qui vient de sortir à l'instant du pas de tir avec le 20 sur 20. C'est la Suédoise Annie Lind qui vient de réaliser le 20 sur 20, qui ressort 4ème à 2 minutes de Kerkhaide. Ah, c'est un individuel de haute voltige. Hein, là. Il fallait faire 20 sur 20, en tout cas pour exister. Peut-être même bien 20 sur 20 pour faire partie de la cérémonie des fleurs. La cérémonie des fleurs, justement. Est-ce que Idalienne, elle va y participer avec son 17 sur 20? Et pour l'instant, ça passe pour la Norvégienne. 7ème du général en IBU Cup. Avec 3 fautes quand même aujourd'hui. Elle parvient à se placer. Océane Michelon, elle est arrivée pendant la page de publicité. Elle est 7ème provisoirement avec l'arrivée d'Idalienne. Idalienne qui réalise le meilleur temps de ski provisoire. Hein, 20 secondes plus vite que Stina Nilsson et 31 secondes plus vite qu'Anaëlle Bondou. Donc ça skie est fort pour la Norvégienne aujourd'hui. Vous aviez parlé, Fred, de Lindt, la Suédoise, avec son 20 sur 20. Elle était à 2 minutes de Maren Kerkhaide à l'issue de ce 4ème et dernier tir. Et Lindt, on avait vu déjà une cérémonie des fleurs hein, cette saison. Du côté de Souchen en Norvège, elle a pris la 6ème place. Derrière nos Françaises, Océane Michelon s'était imposée devant Jeanne Richard, qui est désormais en Coupe du Monde. Le gros Rondby avait pris la 3ème place sur le podium. Et puis Anaëlle Bondou, la 5ème place. Superbe résultat en Norvège. Pour notre équipe de France. Et vous voyez,
voyez, avec ce plan aérien, les stratégies différentes. Est-ce qu'on laisse passer la concurrence ou pas? On choisit l'extérieur, l'intérieur ou le milieu de la piste. Le but, c'est de vraiment arriver, Tanguy, à conserver cette vitesse, justement. De partout, en essayant de faire de belles transitions au niveau des pas que les athlètes utilisent. Alors là, on le voyait, les deux filles utilisaient le même pas, mais il y avait beaucoup plus de fréquence gestuelle pour celle de la concurrente de devant. Dunja Zduk, l'Autrichienne. C'est parfait là, ce dernier tir, même si elle avait fait des fautes déjà au préalable. Ce qui sera parfait également, c'est ce qu'on vous prépare juste après cette course avec l'équipe de choc. Hugo Lloris sera l'invité exceptionnel de France Piron. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux pour l'ancien capitaine de l'équipe de France. Puis ensuite, ce sera l'équipe de Greg à 18h30. Et ce soir, on conclut la journée avec un autre feu d'artifice après cet individuel. Et bien, c'est le quart de finale de la Coupe d'Espagne en direct avec l'Athletic Bilbao qui reçoit le FC Barcelone. On espère un match magnifique. Chez les Basques, c'est jamais simple d'aller jouer là-bas. Et puis ce soir, ce sera l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Et ce vendredi, la Coupe du Monde de Snowboard Cross à Saint-Moritz avec Chloé Trespeuch et Merlin Surget côté français. Ce sera à partir de 11h55. Notez bien le rendez-vous. Ce sera vendredi, pardonnez-moi, et pas jeudi. Mais notez bien le rendez-vous quand même. La Suédoise, la Annie Lindt, qui était sorti quatrième de ce tir debout. Et ben, il n'y aura pas de médaille en chocolat d'ailleurs avec un nom pareil, Tanguy, puisqu'elle est passée septième à l'intermédiaire du 13,2 km. Elle perd beaucoup de temps dans le dernier tour. Ah là, vous me l'avez piqué, celle-là, je ne l'avais pas vu venir, bien joué. Elle a reculé un petit peu dans la hiérarchie, effectivement, malgré son 20 sur 20. Pour moi, ça tient en tout cas pour Camille Benet, toujours dans ce top 10 avec son 15 sur 15, 9e à 1 minute 13 de la tête. On l'attend impatiemment sur son passage au dernier tir, ce sera un tir debout. Elle n'est pas encore arrivée au... Voilà, c'est le chronométrique juste avant l'entrée sur le stade. Camille Benet, on l'a dit et redit sur cette saison d'IBU Cup, elle a eu des gros soucis physiques en début de saison à cause d'une chute à l'entraînement. Et depuis, elle est en train de reprendre des couleurs semaine après semaine. Elle a notamment réussi à monter sur la boîte lors du relais mixte simple de Ridana avec Théo Guiraud-Poilo, qu'on verra cette semaine à Hornsby avec les garçons. Elle a été simplement dominée par Caroline Erdal et Vébian Tsorum. Deux gros clients en face sur ce relais mixte simple. Et voilà, ça montre que Camille, eh bien, elle est en forme. Et c'est en train de se traduire sur la piste, sur ce tour-là, cet individuel, ce 15 km, 4 tirs au programme. Un couché, un debout, un autre couché, un autre debout, et chaque erreur vous ajoute une minute à votre chrono. On avait parlé des Mini Kalkenberg, la Norvégienne, qui avait fauté à deux reprises sur son premier tir debout. Et bien là, sur le troisième tir, elle a repris une minute de pénalité. Elle était ressortie 37e avec 12 sur 15. Donc ça jouera plus, en tout cas pour la Norvégienne. Les Norvégiennes, on le rappelle, cette semaine, une petite pression supplémentaire quand même, Tanguy, puisque... Une motivation supplémentaire. Puisqu'on le rappelle, la sélection pour Nové Mesto sera affinée à l'issue de ce championnat d'Europe. Ouh, Wiesenzarter avec le 19 sur 20. Qui finit fort, l'Allemande. Et on n'oublie pas, on a un petit message de soutien à Anne-Sophie Bernadi qu'on retrouvera fin de semaine pour la suite de ces championnats d'Europe de biathlon. Petit coucou à elle, qui est forcément devant son écran.
Annie Lint, en tout cas, on a terminé. Effectivement, vous l'avez bien senti, Fred. Pas de médaille en chocolat pour elle. Elle termine provisoirement à la 5e place. Et elle pourrait reculer dans les prochaines minutes. Camille Benet va arriver pour tirer. Elle est là, elle est 8e pour le moment, à 1 minute 22 de la tête. Objectif, blanchir les 5 cibles et faire le 20 sur 20. Et quand on voit que Wiesenthurter est sorti 4e avec 19 sur 20, il y a gros à jouer là pour Camille. Allez Camille. Ouais. Ah, c'est quand allez, même faut... un 19 sur 20 aujourd'hui pour Camille Benet. Elle s'est bien battue, c'est bien. Elle a attaqué en plus, hein. Elle a tiré vite, elle a tenté le tout pour le tout. C'est pas le genre de la maison hein, chez Camille au niveau du tir, de bétonner, de poser les choses. C'est une athlète qui a un niveau de tir assez élevé. Elle est capable d'engager même sur les individuels. Alors elle va ressortir 13e avec son 19 sur 20 à 2,18 de la tête. Elle est le top 10 à 10 secondes devant. Ah, c'est tout à fait envisageable, hein. Elle peut aller chercher Océane, elle peut aller chercher Idalienne ou encore la Lituanienne. Et surtout qu'elle aura Caroline Erdal hein, juste devant là, la Norvégienne. Ça peut l'aider dans un dernier tour. Caroline Erdal, elle a tiré à 17 sur 20. Elle pointe en 19e position à 3,17 de Kirkaï 2. Mais il faut s'accrocher. Elle est là, Camille. Son dernier tour. Évidemment, vous restez bien avec nous toute cette semaine pour ces championnats d'Europe de biathlon à Horsbly en Slovaquie. Parce que derrière, on aura le sprint, la poursuite. Et les relais, le relais mixte, puis le relais mixte au simple. Chez les garçons, on aura notamment le retour d'Antonin Guigona. Il va évidemment viser haut et donc des médailles. Ah, on a entendu Baptiste Détieu, hein, le coach physique de cette équipe de France, encourager Camille et lui dire allez, reste dans les skis. Caroline Erdal, elle va vite à ski aussi, donc restez dans les skis. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Camille sur ce dernier tour. Ça lui permettrait peut-être de venir catcher ce top 10. Ce qui serait la meilleure perf de la saison, en tout cas sur les courses individuelles. Et elle fait que de monter dans les tours, Camille. Ah, c'est vraiment exponentiel là. Jour après jour, c'est de mieux en mieux. On l'a dit hein, tout à l'heure, Caroline Erdal et Camille Benec s'étaient affrontées sur le relais mixte simple. La Norvégienne s'était imposée aux côtés de Vebjørn Sørum. Camille Benec et Théo Guiraud-Poilot avaient pris la deuxième place. Et là, l'objectif c'est de s'accrocher sur le porte-bagages de Caroline Erdal. Volken, la Suissesse, hein, qui a réalisé aussi le 20 sur 20 hein, avec son dossard 71. On en a parlé tout à l'heure. Malheureusement pour elle, elle est ressortie 8e à 2,05. Marion Wiesenthurter au dernier pointage. Elle est 4e, l'Allemande, à 1,48 de Marine Kirkaï 2, mais à un petit peu plus d'une minute du podium. Ça ne suffira pas aujourd'hui avec son 19 sur 20. Je me demande même, Tanguy, si ça va suffire par rapport à une Idalienne qui était 12 secondes derrière à ce moment-là de la course. Idalienne, elle signe le meilleur temps de ski du jour. Donc la Norvégienne a été subsonique aujourd'hui sur les skis. Est-ce que ça va suffire par rapport à Wiesenthurter? Là est toute la question. Pour le podium, en tout cas, pour l'instant, Marine Kirkaï de Alina Stremus et Emma Kapustova sont bien ancrées dessus. On avait eu deux Allemandes et une Ukrainienne l'année dernière du côté de Lenzerheide en Suisse. Sur la boîte, c'était Lisa Maria Spark qui s'était parée d'or. Yulia Zima, l'Ukrainienne, qui avait pris l'argent, et Célina Grossian, qu'on avait vu en bronze. Stremus, Fred en a parlé, elle avait pris la 7e place. Et aujourd'hui, bah, ce sera beaucoup mieux pour la Moldave, avec sans doute de l'argent autour du cou. Thank you.
Mozarter à l'image, qui est en train d'en terminer. Est-ce qu'elle va résister à Idalienne? Ah, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Idalienne très rapide aujourd'hui. Alors oui, j'ai utilisé le mot subsonique, hein, pour identifier la performance idalienne sur les skis. Subsonique, hein, c'est un mot qui est utilisé dans le monde du tir. Et en biathlon, il y a du tir. C'est la vitesse qui est juste en dessous de celle du mur du son. Donc il y a certaines cartouches de biathlon qui sont utilisées, qui portent ce nom. Donc voilà, d'où le terme subsonique. Aujourd'hui, en gros, vous l'aurez compris, idalienne, elle a skié à la vitesse juste en dessous du mur du son. Autant dire très vite. Autant dire très très vite. Allez Marion, allez, allez. On l'a entendu en bord de piste. Petit format également, un peu à l'image d'Anaël. Ah, il va falloir patiner, reprendre de la vitesse pour l'Allemande, essayer d'aller chercher cette quatrième place face à Idalienne. Il lui reste moins de 10 secondes. Ça va être compliqué. Est-ce que ça va tenir? Marion Wiesenzarter à l'arrivée. Ah, ça va se jouer pas grand-chose. Elle sera derrière Idalienne, qui a été éclatante sur les skis. Elle repousse Marion Wiesenzarter à un petit peu plus d'une seconde. Wiesenzarter est cinquième pour le moment. Martina Trabucchi qui a fauté sur les deux bouts, à chaque fois deux fautes, termine assez loin, 37e place provisoire. Camille Benet va pas tarder à arriver, on va voir si elle a repris du temps. Alors voilà, il y a une cible qui a dû avoir un petit problème là. Quand le tapis est replié comme ça avec le V-board pour protéger, c'est que la cible a un problème, et on matérialise comme ça pour montrer à l'athlète qu'il faut surtout pas venir tirer sur celle-là. Et à l'arrivée de Camille Benet, eh bien ce sera une 13e place à l'arrivée. Deuxième française du jour derrière Océane Michelon, toujours dans le top 10. Camille Benet 19 sur 20 aujourd'hui, Océane Michelon 18 sur 20. Effectivement, les progrès sont là, sont visibles pour Camille. Ouais, c'est encourageant, ça devrait certainement rester dans le top 15 hein, pour Camille. C'est une 15e place encourageante. Alors c'est un format de course qui prime habituellement les bons tireurs. Aujourd'hui avec son 19 sur 20, elle s'en sort. Elle a le 37e temps de ski à 3 minutes d'Idalienne qui a été très rapide aujourd'hui, on en a parlé. Mais encourageant dans le sens où elle va attaquer, ça va lui permettre en tout cas d'attaquer ses championnats d'Europe avec un petit peu plus de confiance. Et puis surtout, c'est une athlète qui a été blessée, on le rappelle, qui se reconstruit au fil des semaines de course. On l'avait vu du côté de Martel, puis du côté de Ridana. À Ridana, elle avait obtenu un magnifique podium associé à Théo Guiropoilot, où ils avaient pris la troisième place du relais simple mixte. Ridana, la deuxième place, oui. Et voilà, elle s'est présentée sur ces Europes avec déjà une bonne note du côté de Ridana. Et le fait d'aller chercher ce top 15, ça va lui permettre d'aborder ces championnats d'Europe de la plus belle des manières. On avait eu Chloé en début de saison en IBU Cup, sa sœur. Un petit peu plus en difficulté là Chloé actuellement. J'ai suivi un petit peu les résultats de la Coupe de France là, le week-end dernier du côté de Pézenancroix. Ça a été un petit peu plus dur pour Chloé, qu'on lui souhaite de se refaire la cerise. Et on lui souhaite également de pourquoi pas remonter sur le niveau supérieur d'ici la fin de la saison. Le 20 sur 20 aujourd'hui là pour Claudia Topor, la polonaise. C'est pour ça qu'on a l'image.
C'est dur, la dernière à lâcher est difficile. Et ça passe pour Topor. Elle a résisté à la pression. Alexandra Merkouchina, 19 sur 20 aujourd'hui, mais trop loin. Il n'y aura pas de médaille pour l'Ukrainienne. Elle n'imitera pas Yulia Zima, pardon, qui avait pris l'argent l'année passée du côté de Lenzer High 2. Petit souci de carabine là pour Adelina Rimbeu, la jeune roumaine. J'ai l'impression que c'est un problème de chargeur. Dossard 102 à l'issue du troisième tir, elle était à déjà 7 pénalités. 97e, un quatrième tir, Tanguy, qui n'aura pas fait tant de dégâts que ça. Je m'amusais à calculer, elles étaient 10 à avoir réalisé le 15 sur 15. Et au final, elles sont 7 à avoir réalisé le 20 sur 20. Donc, d'habitude, ce dernier tir, quand on est à 15 sur 15, il y a plus d'écrémage. Il y a un petit peu plus de sélection qui s'y passe. Les filles, de manière générale, ont plutôt bien répondu, en tout cas. Derrière la carabine, 7 filles à 20 sur 20, c'est à souligner parce que on voit là une petite pluie là, qui est en train de tomber et de s'inviter sur Horsbly. Et le tir, hein, c'est jamais facile. Il faut s'accrocher derrière cette carabine pour faire blanchir les cibles. Elle tombe pas toute seule. J'allais vous dire que Sarah Beaulieu était régulière malgré elle sur ses erreurs, mais non, 3 erreurs sur son dernier tir. Ça fera 9 au total pour l'américaine. Pour le moment, l'arrivée, on le rappelle, hein, ce podium. Maren Kerkaide devant Alina Stremus et Emma Kapustova. Alors, retrouver une Norvégienne en or, c'est pas forcément une surprise. De voir une Moldave et une Slovaque sur la boîte, ça l'est un petit peu plus. Même si Stremus, elle était référencée quand même. Hein, on va pas se mentir, on l'avait évidemment coché parmi celles qui pouvaient venir jouer devant. Mais vraiment, avec leurs 20 sur 20, elles ont été étincelantes aujourd'hui. Et Marine Kerkaide qui vraiment répond présent le jour J. Ce sera la deuxième victoire de la saison en individuel pour Marine Kerkaide. Peut-être la plus belle avec cette médaille d'or autour du cou. Kapustova, un petit peu la surprise. Hein. En plus, une médaille de bronze à domicile. Je regardais ses stats. Hein. 95% de réussite sur le tir couché. 88% de réussite sur le tir debout. C'est pas étonnant hein, de l'avoir aujourd'hui tiré à 20 sur 20. C'est des valeurs qui sont très très élevées. Elle est toute jeune, hein, 21 ans. Elle est née le 14 décembre de 2002. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Non, clairement. Et Marlène Fischner avec son 19 sur 20 là, qui bataille pour aller dans le top 15, ce sera compliqué. Ce sera peut-être plutôt le top 20, le top 25 pour elle. Il n'y a pas de Julia Tannheimer, hein, par exemple, dans l'équipe d'Allemagne sur ces championnats d'Europe, ni de Johanna Pouf. C'est quand même une équipe solide, hein. Julian Fruviert, Julia Kink, Marion Wiesenzarter, Emile Schumann, Stéphanie Scherer qu'on a longtemps vu jouer devant aujourd'hui et Marlène Fischner que vous avez aperçu. J'ai l'impression que là ça tombe costaud hein, au niveau de la pluie.
Ouais, si vous tendez l'oreille, vous, vous entendez effectivement la pluie tomber. Hein, c'est pas nous dans les micros, hein. C'est bien ce qui tombe du ciel. D'ailleurs, la pluie comme ça, ça n'aide pas forcément à glisser. Hein. Ah non, là, ça va pas l'aider, là, l'Allemande, sur la fin de parcours. Heureusement hein, que ça se met à tomber seulement maintenant pour elle et pas avant, sinon ça aurait été long. Là, je reconnais l'endroit, hein, on est sur du plat descendant et vous avez vu, hein, elle est obligée de faire l'effort d'utiliser ses bâtons pour recréer de la vitesse. C'est une piste hein, qui est très difficile. Ce long faux plat montant qui vous emmène en haut de la vallée. Et derrière, il faut redescendre. Mais c'est pas une longue descente où on peut se mettre en chausse pour récupérer. Vous l'avez vu avec l'Allemande. Il faut continuer à patiner pour garder la vitesse. Perdre le moins de temps possible. Pardon. C'est tout ce qui fait le charme hein, des biathlètes complets. Il faut être solide musculairement, mais il faut aussi avoir le cardio qui suit. C'est pour ça qu'on est sur des athlètes qui sont ultra entraînés, préparés aux petits oignons tout au long de l'année par leur staff. Savoir que les biathlètes, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent, hein, ou même parfois je reçois des messages, c'est un biathlète, il n'attaque pas à s'entraîner le 15 septembre. Hein. Il finit sa saison en général le début avril, il a 3 semaines de coupure et il reprend la route de l'entraînement début mai. Alors par des moyens d'entraînement qui sont différents, on a la chance hein, là, en biathlon de pouvoir faire plusieurs sports, contrairement à des nageurs qui font de la muscu et de la natation, ou des cyclistes qui font presque que du vélo, un petit peu de renfort, des footings durant la préparation hivernale. Mais c'est vrai qu'on a la chance en biathlon de pouvoir faire plusieurs sports. Et voilà, les athlètes se préparent comme ça de début mai jusqu'à mi-novembre. Et mi-novembre, bah, la saison commence, la période des dossards sur le dos attaque. Et c'est toujours en ski roulette évidemment l'été. Parce qu'on peut voir par exemple les skieurs alpins, eux qui vont parfois dans d'autres contrées plus lointaines pour trouver de la neige. En biathlon, c'est généralement avec les roulettes qu'on s'entraîne l'été. Alors beaucoup de ski à roulettes pour les biathlètes. Après, ça arrive aussi d'aller chercher la neige. Pour aller essayer de trouver des sensations un peu différentes hein, parce que en ski à roulette on est sur du goudron, de l'enrobé, le fond est toujours le même. Techniquement on fait toujours la même chose. Alors que sur la neige, bah, on le voit aujourd'hui, hein, on est sur des conditions qui ont l'air plutôt. Julia Schweiger, l'Autrichienne, 30e à l'arrivée avec un 18 sur 20. Finalement, c'est pas tant le brouillard qui a peut-être gêné ces biathlètes dans le dernier groupe, c'est plutôt la pluie qui est tombée abondamment, qui a gêné un petit peu la progression sur cette piste. Tanguy, Fred, on est sur des conditions proches de Nové Město ou pas? Parce qu'on se projette, nous, sur les mondiaux de biathlon à partir du 7 février. C'est des conditions pénibles pour les biathlètes. Hein. Ah, c'est des conditions qui sont un petit peu pénibles. Et ce qui peut vous intéresser, Messaoud, c'est qu'on est à deux doigts d'avoir des conditions dantesques, hein, ici, en tout cas à Horsbly. Hein.
Ce sera pour la suite de ces championnats d'Europe. Pour ceux qui nous rejoindraient, l'équipe de choc arrive dans quelques instants avec France Piron, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première journée pour les Françaises, Fred, Tanguy, meilleure place pour Océane Michelon pour l'instant, 9e. Bah c'est plutôt encourageant hein, pour le moment. Certes, ouais, il n'y a pas de médaille aujourd'hui, mais on peut noter qu'au niveau du ski, ça a bien tourné pour Océane. Au niveau du tir, ça a bien tourné pour Camille Benet. Après Naël, bah, on le sait, le ski, ça va très très bien. C'est au niveau du tir que ça pêche. Mais voilà, comme Julien Robert l'a dit, ça s'appelle l'apprentissage. Peut-être la petite déception aujourd'hui, c'est pour Noémie Romonet avec 5 erreurs. Voilà, elle pouvait sans doute viser un petit peu plus haut aujourd'hui. Ça n'a pas fonctionné, mais on reste confiant pour la suite, bien évidemment. On donne le rendez-vous demain. Ce sera 13h55 pour l'individuel homme pour la suite de ces championnats d'Europe. Et pour l'instant, c'est une Norvégienne qui est en train de devenir championne d'Europe, Tanguy. Oui, elle s'appelle Maren Kjerkaide. On l'avait évidemment ciblée parmi les favorites. Elle est annoncée comme voilà, le petit phénomène de la sélection norvégienne. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'une Norvégienne remporte remporte l'or, en tout cas au championnat d'Europe, sur ce format de l'individuel. Donc c'est une très très belle performance. Et puis Fred me le rappelle gentiment, les trois premières du classement sur cet individuel aujourd'hui sont toutes les trois à 20 sur 20. Donc il fallait bien tirer aujourd'hui pour prendre une médaille. Oh oui, la belle histoire du jour du côté de la Moldavie donc, avec Alina Stremus qu'on connaît bien sur le circuit de la Coupe du Monde. Et puis Emma Kapustova qui est à domicile, la Slovaque. Ça va faire une belle cérémonie. Oui, tout à fait, on l'a vu être encouragé tout au long de ses tirs par les quelques spectateurs venus voilà, rendre visite aux biathlètes sur cette course d'Orsbly. Elle a réalisé un 20 sur 20. Pendant la course, on a dit que c'était peut-être la course de sa vie. Bah, ça l'est peut-être effectivement, parce qu'elle va repartir médaillée après cette individuelle et cette course quasiment parfaite de sa part. Je pense que ce sera vraiment une biathlète à suivre, hein, Fred. Bah, déjà peut-être sur cette semaine à Orsbly, et puis pourquoi pas dans les prochaines semaines, prochains mois pour la Slovaquie. Ah, il faudra la suivre, ça c'est une évidence. On l'a rappelé avec l'arrivée de Kuzmina sur la deuxième partie des championnats d'Europe. Donc ça peut faire du bien en tout cas à la jeunesse. Et de commencer des championnats d'Europe à la maison par une médaille, bah, c'est évident que toute la nation va être portée par ça.